Hey, salut! On se retrouve pour l'épisode 21 de l'aventure des associés. J'espère que ce petit épisode va vous plaire. On devait avoir un achat, mais du coup, on l'a pas fait. On a eu pas mal d'autres petites choses à faire. Donc, il n'y a pas eu d'achat. Voilà. Donc, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit like, un petit commentaire, partager. Et puis, merci à vous, de regarder et me dire ce que vous en pensez. Allez, bon visionnage. Ciao, ciao! Regardez, il y a déjà le voisin qui se bat. Ce connard. Puis il va vite en plus. Quel salaud. Bon, on a pas mal de boulot aujourd'hui. Pas mal de boulot, pas mal de petites choses à faire. J'espère en tout cas encore une fois que cet épisode va vous plaire. Parce qu'on a vraiment pas mal de petites choses à faire. Par contre là, vous imaginez quand même pour vous ce qu'on ferait pas. Donc j'espère que vous allez mettre un putain de commentaire pour nous dire si cet épisode vous a plu. Il est minuit 9. Je me lève à 5h40 pour aller remplacer ma responsable. Et donc là, à minuit 9, on va tourner sûrement pendant 1h30. Donc on va dire coucher 2h pour me lever à 5h40. Pour aller remplacer ma responsable. Et nous sommes le 22 juillet. Allez. Et on tourne. Alors que je me lève bientôt. C'est pour vous. Donc, il y a intérêt que vous laissiez un commentaire et que vous dites si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu, le montage, machin et tout. Parce que sinon, je vais être déçu. Je m'en rappellerai, c'est l'épisode 21. Je m'en rappellerai. Alors là, je vous le dis. Je m'en rappellerai. Il faut que je nettoie ma voiture d'ailleurs. On passe un coup de karcher. T'es moche. Salut! Oui, moi c'est. Ah oui, toi aussi t'es moche Ah quand oui. même. Ouais. Je me rends compte. Les femmes de nos jours. Ah oui, putain, faut qu'on déplace ça aussi. Ah bah il est là. Ok. Ah, le vieux. Et salut. Salut. Pourquoi tu l'embêtes? Salut. Comment tu vas? Ah. Et le coffre, je rentre. Il a ramené les barres au chocolat. Putain, je le retourne dans. Non, c'est des bières. Non, voilà, pas d'alcool au voilà, travail. C'est ça que vous voulez faire. La vodka. Il a grandi ton 4x4, non? Non. D'accord. Bah, regarde, regarde comment il est tout petit dedans par rapport à... À la voiture, de fait. C'est pas avec IRL. Ah là là. Les femmes. Bon allez. Tout s'est bien fait. C'est tout bon. Tilalitata. Tiens, je fais le moteur. Salut! Ça fait peur, putain. Salut. Il est bon en vrai, il a une belle gueule. Hein. Mmh. Je trouve. Non, t'aimes pas? Attends, j'aère ma En plus. voiture. Putain, il a pété. Non, Le capot aussi. Et le coffre. J'aère ma voiture. Le mec, il est où le capot? Ben, Ah merde, c'est pas le bon tracteur. Allez, postier. Je roucoule. Je m'en vais. Et allez, il s'en va. Comme je viens C'est pas là comment tu. Putain, mais Léo, t'es sérieux? Quoi? Comme Vianney. Putain, 3 heures après. Bah non. Wow. Ça fait pas 3 heures, ça fait 3 minutes 40 qu'on tourne déjà. Avec elle, c'est clair. Bah non, mais. Bon, allez. Il se barre comme ça, c'est juste ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Bah, si! On doit continuer ce qu'on a commencé hier. Toi, tu vas presser le champ, et Mika, il vient avec moi pour commencer à passer le truc et la. Juste le champ? Ou les champs? Les champs. Il y en a deux. Commence par le petit, comme ça, direct après, je vais ranger le petit déjà. Je suis d'accord.
Ah, les femmes. Seule femme. Mais je suis pas une fille. J'ai un zizi. Bon, il est pas très grand, mais il est là. Il se lave pas, qu'il sert à rien. Bah, des fois, bah, si, déjà, il me sert à faire pépé. Déjà. Et genre, 5 ou 6 fois par an, il me sert quand même. Qu'est-ce pas, putain. Bah, il me sert tous les jours pour faire plusieurs pépés. Il me sert tous les jours pour me faire du bien. Et 5 ou 6 fois par an, il sert pour me faire un peu plus de bien encore. Mais tu comprendras ça quand t'auras. Enfin bon. Quand on se verra. Non. Quoi, non, non? On ne se passera rien avec toi. J'ai rien dit, tu vois, c'est toi tout de suite les allusions. Non, bah. Bah, peut-être je vais t'amener une fille. Clairement pas. Bah, pourquoi? Mais tu peux me ramener qui tu veux, si je la connais pas, il se passera rien. Oh, Léa. Arrête. Hein. Et en vrai, c'est vrai, ta femme elle s'appelle Léa plus tard. Je peux passer avec n'importe qui. Hein. Léo, elle est là. Bah, ma mère, c'est pas n'importe qui. Justement, j'ai des Bon, pecs n'importe qui. si, ouais. Elle s'appelle pas Léa, donc c'est pas. Ouais, t'inquiète, je peux changer son prénom. Léna, ça passe ou quoi? Bah, ah, mais il recommence! C'est juste un N. Bah oui, mais non. C'est une de mes ex, Alina. Oui, non, mais moi Une aussi. de tes ex, genre il y en avait plusieurs. Oh oui. Et allez. Il y en a une putain, je sais même plus c'est quoi leur prénom. Oh. Non, mais de vrais ex où t'as foiré ton gag, on parle, nous. Ah bah. Pas des ex où t'as fait un petit bisou à l'école, quoi. C'est que pour être officiellement cool, faut pas vraiment faire des choses sexuelles. Bah non, mais. Bah non. Bah, j'ai dit bah Voilà. non, j'ai pas dit bah oui. Voilà. Mais quand même. Voilà. Bon, t'es gentil, Mika, mais. Je peux pas aller coller aux barrières. Si elle, ça décide de ramasser un champ. Quand t'es habitué, après c'est rapide. Ouais, mais pas autant. C'est pas dangereux, vous direz. Non. Bah, en fait, entre la taille des champs dans le jeu IRL, déjà, c'est pas pareil. Oui, mais bon, avec les longueurs de machine. Genre pour les moissons, là.
très rares ceux qui ont l'occasion d'avoir des très grandes. Oui, ouais, c'est pour ça. La machine qu'on a, la barre de coupe qu'on a, c'est une barre. Enfin, c'est un truc standard. Hein. Ouais. C'est genre 80% des agriculteurs, ils ont ça. Celle qu'on a là sur la série. Mais dans des champs beaucoup plus grands. Ouais. Oui, c'est vrai. Bah, je sais pas combien il fait le champ en qualité, les gars. Oui, il doit faire 3-4 hectares. Il y a des gens 3-4 hectares déjà. C'est rien du tout. Eh, ma pomme. Mais bon. Entre 5 hectares ici et 5 hectares IRL. Ah, oui, mais d'accord. Que tu imagines vraiment des vrais champs sur les maps farming. Le temps que tu passerais, ouais, le temps que, ouais, tu passerais dessus. Bah, tu passerais la journée. Carrément. Et encore, t'as certains champs, ils passent plusieurs jours. De ouf. Là, justement, je regarde moi David Forge là. Il a un champ, il fait 52 hectares. C'est énorme. Imagine, tu fais à 9 mètres. Ah bah, et puis le pire, c'est qu'il a pas des gros outils lui. Il a des vieux tracteurs comme les deux vieux qu'on a et tout. Il y en a que un qui est récent, donc il doit avoir une dizaine d'années, je pense. Mais sinon, il a beaucoup de vieux matos. Genre son semoir, ouais, ça va être un 7-8 mètres, je pense. T'imagines à semer, ça doit être horrible. Après, il y a tout ce qui est GPS, tout ça. Dans le vieux, peut-être pas, mais. Il vient. Non, dans le nouveau non plus. Il vient seulement de le faire installer sur les deux vieux. Il vient de les faire installer là juste avant les périodes de moisson. Rester assis à rien faire, c'est super long. Je savais, bon, être outil, c'est possible, entre guillemets, pareil quand même. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. C'est pas aussi longtemps. C'est pas aussi longtemps, hein, surtout que t'as tellement de connards qu'il faut que ça garde partout. Ouais. Si tu veux. Non. Bravo Michael. Ben, 2 secondes. Ben, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Là j'ai rien dit. Attention, là j'ai rien dit. Ta gueule. Oui papa. T'en dis quand c'est bon. Non, je l'ai déjà dit que c'était bon, mais comme tu parles, tu as. Alors, hey. Tu veux une fessée? Exactement, t'as foutu. Oui, de. Il me répond. Attention. Ah bah, le prix de vente d'un produit est doublé. Ok. Donc on a du blé, de l'orge, de la laine, des œufs. Et attention, c'est l'heure du nouveau litron. Ce serait bien que ce soit les œufs. La laine. Ou la laine. Ou la laine. Ok. Donc, laine x2, du coup, quand je vends après. Bah, j'irai vendre la laine, du coup. Here we go.
couple of days, I feel amazing. When I'm touching your face, but I've been craving all the love that you gave. I just wanna show you things, fancy cars and wedding rings. You deserve everything, yeah, I mean it, yeah, I mean it. Do it, everything. Merci, Mika. Le remercie pas trop vite. Pourquoi? Je sais pas. Voilà. C'est pas jaloux, juste. Je te vois qu'un petit peu quand même. Par rapport à quoi? Bah, le fait qu'ils te défendent tout le temps. Bah, c'est une plaisir. Et que moi. Ouais, doucement quand même. Extra. À quoi? Chez. Non, c'est assez punk. Hein. Et même si j'étais de ce bord-là, c'est pas avec quelqu'un de ton âge que je. Moi, il a 18 ans, il est majeur maintenant, il a des poils. Oui, alors. Ça se trouve, c'est dans les jeunes pots qu'on fait la meilleure soupe. Hein. Le dicton, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, ça se trouve, il est faux. Bah, pour lui, si, ça serait bon. Moi, je n'y allais pas à cette personne de ce stage-là. Oh, le menteur. Moi j'écris de toute façon je vais pas vers les mecs donc. Mon homme peut-être de base quoi. Mais... Menteur Léo, tu vois, tu vas te faire avoir. Mais même au niveau des filles. Droite de base. Non, parce que même du coup par rapport aux filles, je n'y avais pas à ce stage là. Ouais. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. C'est au niveau de la loi qui parle, mais. Oui. Mais moi, c'est au niveau. Oui, mental, tout ça. Enfin, je vois bien ce que tu veux dire. Mais c'est. En plus de la loi, il y a le fait que quand tu fais ça, je vais dire, dans les lois fondamentales, tu as l'inceste qui est interdit. Ouais. Mais oui, mais je vais dire. Attends, Mika. En fait, du coup, t'as dit un mot qu'il ne connaît pas. C'est pour ça que du coup, j'ai oublié. Un mot trop évolué pour lui. Allez, soyons sérieux. L'inceste est un interdit fondamental. Mais quand tu vois, on s'en fout, hein, mais un gars de 80 ans qui est avec une gamine de 25 ans, mais pour moi, même si elle a rien à voir avec sa famille, c'est de l'inceste quand même. Ouais. Et donc, je suis désolé, ça ne se fait pas non plus. We'll be right back.
j'ai une question. Oui. C'est un Ford que j'ai ou un John Deere? T'as vu, c'est avec le mode salissure, il est stylé en vert comme ça. Et t'as mis des fumées? Non, non, non. Non, 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 du tout. Le champ de paille, du coup, il est rangé et le petit champ d'herbe est rangé aussi. Et donc là, je vais bouger les palettes. Donc, je les fous sur le plateau et puis en même temps, je vais les vendre. Tu prends la mini ou quoi? Non, je prendrai la mini avec ce qu'on achètera après. Normalement, on est censé acheter quelque chose. Là, toi, dégage. La 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 la. Ah, les palettes, c'est vraiment du bras. Tu vois? Ouais, c'est ce que j'ai des amis qui habitent dans le Nord, c'est pour ça. Ouais. Là, je parle comme ça, parce que j'ai des amis qui habitent dans le Nord, du coup, bah. Ouais, des amis qui sont vraiment. Je commence le fond. Est-ce que tu voudrais pas. Déjà. Ah, le fils de pute! Quoi? Là, le truc des palettes qui se barre dans tous les sens. Vite fait, pendant que je fais ça, c'est déjà. Faire comme d'habitude pour toi, pour les ballots. Est-ce que c'est ce que j'ai dire? Non? Bah, ce que tu fais habituellement pour les ballons, ouais, pour les ramener. Tu vois. Et tu n'as plus les tracteurs? Si, il y en a, bah, ou tu détaches, ouais. Ou alors il y en a à la ferme. Ouais, ou tu prends le celui de la ville. Il est le plateau. Faut le relouer. On le garde, Pierre. Ouais, bah achète-le avec la ville. Bah tu le. Non. Comme ça, tu essaies de faire un ou deux voyages en 2-2, tu les poses là-bas et comme ça je les range. Avec ou sans, on s'en fout. Justement, tu prends un kilo et puis. Ouais, achète-le directement avec la ville.
Puis on le foutra derrière le bâtiment. Ou alors sur le parking, on foutra un bâtiment, au pire, pour mettre dedans. Et moi, faites accès stylé pour aller là. Bon. Ah, t'as pris une autre en argent de guerre. T'as Mika? C'est la même chose que je me plains depuis 10 minutes. La même chose qui se plaint à chaque fois. La prochaine fois, je vous laisserai charger le plateau de palette. On est là. Ça fait 50 minutes pour un fond. Juste pas que je mélange point et herbe. Comment? Il faut juste pas que je mélange point et herbe. Bah t'as vu que t'avais pas commencé le foin? Bah si j'ai commencé, j'ai fait deux je crois. Ah. Ouais bah c'est pas grave au pire. Oh, c'est marqué sur la boîte. Bon ça se voit. Mais c'est pas grave au pire sinon c'est pas grave. Je les emmène et puis... c'est pas rien. Donc c'est pas une sur deux, c'est pas grave. Tiens, je t'en fais une sur deux. Ah, y'en a que deux, donc c'est compliqué. Quoi, y'a que deux bots? Non, mais deux, mais il a pas fini. Il a à peine commencé le foin. J'ai fait du coup toute l'herbe, et là, du coup, j'ai commencé le foin. Oh fils de pute.
28 bottes d'herbe. Ouais, c'est cool. T'as tout là, en herbe? Oui. 28 bottes, je sais pas c'est des bottes de combien, mais. C'est des 180, du coup c'est des 6000. Ouais, ça fait pas mal quand même. Non, c'est plus, c'est plus. Ça fait un bon petit stock. 7500. Donc, du coup, où vend-on-je la laine? 5003. Ah non, c'est pas au même endroit, je crois pas. Ouais, et les œufs, donc là c'est au Fladen. Et les jeux c'est là-bas aussi, il faut choisir, faut pas vendre tout au moment que je veux la laine. De quoi t'as dit? Vite à life, j'ai dit. Oh, quoi t'as vu? Life is life. Je te veux. Ah bon? Ah non, c'est la Ziza. Ouais, c'est pareil, ça veut dire quoi la Ziza? Ça veut dire la vie, c'est la vie. Ouais, non, pas du tout. Par contre, life is life. Ça veut dire non, la vie, c'est la vie. Oui, là je suis d'accord. Ah. Ça va, je m'améliore en anglais. Il faut que tu dises un mot. Non, parce que maintenant je sais. J'arrive à faire comprendre aux gens diesel, tout ça. Avec gazole. Bah non, justement. Écoute, viens avec nous au boulot. T'as pas y'a un bout de fromage là. Non, bah prends-le pas. Bah là. T'apprendras à parler russe, polonais. Ah ouais, ça doit être horrible en vrai. C'est compliqué. Ça doit être chiant. C'est compliqué. Donc soit des fois tu parles par mime, enfin c'est un truc de fou. Ouais, moi je fais Google Trad. Tu penses vraiment que dans le sur je prends le téléphone et tu parles? Ouais. Bah carrément pas. Eh ben Google Trad c'est très mauvais. Oui non, c'est réverso, des trucs comme ça les mimes. Donc 61 300. C'est x2. Tac. Bah, c'est pas mieux quand même, on peut acheter ce que tu voulais. Ça, penser à de l'argent. Et on a dit 61 300. On a assez, hein. Attends, regarde, t'as ça qui arrive encore, regarde. Ouais, mais il est pas sur le. Non, pas encore. Il est pas encore arrivé. Faut le faire venir par bateau. J'étais un fléché qu'on s'en va tomber sur les œufs, en vrai. Ouais. Bon, c'est bien déjà, 61 x 2. C'est déjà pas mal. C'est mieux quand même. Clairement. On serait tombé sur le blé, on aurait été quand même embêté parce que le blé, on va pas le vendre. Bah, on a de l'orge, donc en soi, on aurait pu le vendre pour le coup. Mais bon, c'est déjà pas mal. J'y arrive autant. Parce que là, en vrai, 100 000 litres de blé, ça ne sert à que de là. En vrai, de vrai. Parce qu'on a je sais pas combien en orge aussi. Tu veux vendre, mais bon courage. Mais. Ouais. Pas moi qui fais, pas moi. Bah, si, si, y a une solution. Hein, c'est... Tu mets le godet à 20 000. C'est le godet à 20 000 et tu fais 20 000 par 20 000. Ou alors on met un autre mode, un godet à 50 000 et ça fait comme si c'était une benne à 50 tonnes à chaque fois. C'est la seule façon qu'on a de contrer le problème, quoi. Ouais. Ou au pire, tu laisses à la ville et quand vraiment on a besoin de.
C'est bon d'en prendre. Oui, quel côté sur la pierre. Ouais. Et que nous, du coup, on garde le petit à 10 000 là. Ouais. T'en es où, Mika, là, dans le truc? Est-ce qu'à la fin, tu veux aller acheter ce qu'on doit acheter sur cet épisode? Non. D'accord. Non, le but, c'est de l'acheter pour l'utiliser. Si c'est l'acheter pour l'utiliser une autre fois, c'est pas logique. Bah là, mais comme ça, t'aurais fait la livraison et tout, tu vois. Minou sous le pied. Voilà, mais du coup, il faut que je trouve une autre miniature. Bah, tu prends mon tracteur et tu mets premier gros chantier pour. Ouais. Merde, je vais prendre le côté. Ah ouais, et puis en plus c'est 3 en hauteur. Ah, c'est nickel ça. Bah 3 en hauteur, mais c'est qu'une en hauteur. Non, mais les balles que t'as rangées. Les balles rangées. Les balles que t'as amenées. Ouais. Et bah en hauteur, elles sont en 3. Une 3, sauf que ça faisait que pour une. Non, c'est 4 sur une. Est-ce que tu as une? Oui, elles sont toutes par 3. Ouais, elles sont toutes par 3, sauf une qui est par 4. Ouais. Non, c'est nickel. C'est quand même casse-tout, quoi. Non, c'est pas grave. Tant mieux, c'est mieux pour moi. Bon, je vais foutre le blé dans le silo déjà, comme ça au moins ça sera fait aussi. C'est même pas le 10 000 qu'on a, c'est le 5 000 le bébé. Oh, putain, Mika, t'as vendu le truc à 5 000 la dernière fois. Mais il y avait pas énormément, il y avait qu'une seule. Ouais, avec une seule benne, mais t'as fait quoi? T'as fait 5 allers-retours, le bébé? Ouais, il y avait. Ouais, faut qu'on trouve une autre solution. Pourquoi pour rien? Mais parce que. Il a disparu. Mais non, on l'a emmené au. On l'a vendu, tu l'as vendu, tu l'as emmené au magasin pour le vendre. Les seuls trucs qui ont disparu, c'est les cultures dans les champs. D'accord. C'est tout. Tout le reste, on a encore. Et j'ai un petit souci. C'est quoi? J'ai mis le GPS en route. Ouais. La mer. What the fuck? Fait les tours sur lui-même, le frère. Pourquoi il fait ça? Ouais, tu vois qu'elle s'est passée là. Des fois, ça arrive. Il garde le GPS pendant que tu tournes. Ouais. Samedi. Oh non, et ça veut dire que j'ai déjà une semaine de congé qui s'est passée. Putain, ça aura passé vite quand même. C'est pas trop vite. J'ai plus que la semaine prochaine. C'est comme ça, moi je suis en week-end. Tu vas samedi?
Non, bah non, tu bosses pas samedi après-midi. Bah je finis samedi à 3h du matin. Ouais, ouais, non, c'est pour ça, tu bosses pas samedi après-midi. Ah, on bosse pas, quoi. Bah au départ, c'était pareil, c'était prévu que du coup je bosse samedi. Donc si du coup j'aurais pas réagi, jamais que j'aurais bossé vendredi soir du coup jusqu'à 3h du matin. Ouais, et repris à 9h. Ouais, faut qu'il arrête, quoi. Et non, c'est pour ça que du coup. Mais ça, de toute façon, c'est interdit. Oui, c'est interdit, c'est pour ça que du coup j'étais à la patron. Je me suis dit, ouais, non. Peut-être pas quand même. Après, du coup, niveau fatigue, ça arrive à passer, quoi, mais légalement parlant. C'est pas très très légal. Bah, une fois de temps en temps, ils peuvent l'accepter. Oui, ils peuvent demander une dérogation, machin. Ouais, par exemple, chez nous, une journée maximum c'est 12 heures. Tu peux pas faire plus. Nous aussi, je crois. Et entre deux shifts, tu es obligé d'attendre 11 heures. Ouais. Maintenant, j'ai déjà fait des journées de 16 heures. Quand c'est comme ça, ils te font signer quelque chose ou pas? Non. Parce que je pense qu'ils pourraient faire signer un papier genre pour dire bah voilà on a eu un problème, enfin genre un mec qui était pas là, du coup il a fait des heures sup et il était d'accord, tu vois. Oui. Ça je sais pas si c'est possible, tu vois, genre comme ça. Mais ah oui, de toute façon c'est peut-être qu'il prend après, je crois que c'est pas toi qui prend donc Ouais, mais toi si tu donnes ton... Ouais, je sais pas. Mais le problème c'est que si je dis oui, ok, il y a rien de signé et qu'après j'attaque mon patron parce qu'il me fait faire 16 heures. C'est toi qui me prends. C'est... Oui. C'est moi qui gagne. Ah bah oui. Sauf que je me fais virer après, mais. Ah bah il a pas le droit de te virer pour ça, si c'est lui qui en. Enfin. Ah non, après il peut te pousser à bout et te faire chier. Voilà. C'est ce qui serait fait, mais te virer direct, il aurait pas non, le droit. Non, oui, non. Bah quoi que je vais dire, chez nous, un CDI c'est tellement facile à. À dégager. À dégager. Ah ouais, ah ouais. Pourquoi? Parce que normalement, justement, c'est le CDI qui est le plus difficile à dégager, justement. Ah ben non. Le CDI, tu dis, ah ben restructuration, je dois pas avoir sur la période autant de monde. Hop, viré, merci, au revoir. Bah, de fait. Et il peut reprendre un CDD juste après en disant, ben pendant cette période-ci, j'ai besoin d'une personne en plus. Parce que CDI, pour vous, ça signifie quoi? Contrat à durée indéterminée. Ah, comme nous. Ouais, donc comme nous, quoi. This lake of fire burns my skin. How could love wear so thin? Là j'arrive. Je suis... Ok, je bouge. Et qu'est-ce que tu veux? Il y a que 12 bots? Yes. Ah, ça fait pas énorme au final. Hein. Putain, je suis. Il y a un chemin là. Tac tac. Oui, toi, Mika, tu vois toujours pas des moutons. Ça, je me suis posé la question cette année. Je me suis dit, est-ce que je le vends et j'en rachète un? Tu sais, pour faire en sorte, mais. Alors, tu dois revendre aussi le silo, machin. Ouais, c'est chelou, vous voyez pas. D'ailleurs, mouton. Et c'est bizarre, les poules, je les vois. Bah ouais, ouais, c'est pour ça. C'est. Ouais, non, c'est chelou. 18 000 animaux vendus. Ouais. J'ai vendu les vieux cochons. Les vieux moutons. Et toi, le vieux cochon? Le vieux tout court. J'aurais pu lui foutre un godet de. Par contre, les poules, ouais, 25 balles, hein, vieille ou pas. 11 mois. 29 mois. 29 mois. Allez.
tu peux acheter ça, toi? 60 poules, 1200 balles. C'est pas énorme, hein? Vaut mieux vendre des œufs que des poules, hein? C'est clair. Carrément. Tiens, d'ailleurs, en parlant de vendre. Alors, le blé est large. Le blé 1004 large. Ouais, c'est pas énorme. Et ça, 5000. Putain, le soja, 5000. Il est en train de descendre. J'ai oublié. Allez, on est au mois de juillet en plus. C'est bon, James. Ok. T'es plus avec le plateau? Non, non, je l'ai rentré. Les pierres, ça sera demain. Yeah! Coucou. Tu l'as rangé, tu l'as. Couché. Ok. Ah ouais, ça fait que ça du coup? Oh, ça fait pas énorme, tu vois, je pensais. Je pensais un peu plus. Bah 12 fois c'est 16 500 quand même. Ouais, 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 non, ça fait. En litres, ça fait beaucoup, mais. Ouais, j'ai peut-être pas fait vraiment la moitié. Ouais, non, mais c'est pas. Ouais, non, pour le coup, il y a beaucoup de choses. En du coup, t'avais un champ complet, puis celui-là. Ouais. Et 3 quarts de celui-là. C'est pas grave. Là, c'est tout bénef, de toute façon, sur ce champ-là, parce qu'on ne l'avait pas replanté. Et... Du coup, on a pu faire une coupe d'herbe. Donc, Il restera plus qu'à briller et passer le chêne. Ouais. Tonika, t'es chaud pour faire le. Tu fais les pierres maintenant, du coup? Ouais, et hey James? Oui? Pour la minia, il a pas d'autre chose, si tu veux. Ouais, non, je vais aller voir. Mais ouais, du coup. Attends, j'y vais maintenant. Ça va être bien en plus. Je peux pas l'ouvrir. Merde. Il y a encore ça là-dessus. C'est quoi, il y a encore ça? Oui, il est bah, des sacs de semences. C'est pas encore des sacs de semences? Oui, sur la petite. Ah, sur la petite. C'est celle que je t'avais emmenée, tu sais, la dernière fois au champ. Eh oui, il est vert par rapport au vapeur, tu sais, dans le champ d'herbe, vu qu'il a pressé. Donc lui, il se salit de ouf, ça que t'as là. Regarde, les autres, ils sont jamais aussi sales. Mmh. Il a changé totalement la couleur de toute la. Bref, des essieux. Ouais, en herbe, on en a pas mal, hein, putain. On fera du foin, ouais. Ah, c'est vrai que la prochaine fois on aura qu'un seul terrain, on aura plus deux. Bah, en fait, faut se mettre d'accord sur ce qu'on sème dessus. Parce que si on sème quelque chose que c'est en début d'année prochaine, autant là pour l'instant, pas lui passer un coup de charrue, il aurait fait une coupe dessus dans 2 mois. Mmh. Là, ça peut ne pas être con, histoire de regagner une coupe, quoi. Colza. Là on peut semer colza le mois prochain. Et sinon blé et orge. Sinon ça sera début d'année.
Est-ce que Colza a vraiment besoin? On en a pas besoin. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'autre chose? Bah, on avait dit dans le champ 1. Dans le champ 1 et dans le champ 19, on faisait du maïs. Donc, du coup, c'est avril l'année prochaine. Je crois, ou mars. Ouais. Ou alors, on fait dans le grand champ du maïs. C'est le grand champ. Bah, dans le champ là que tu viens de faire. Maintenant, avec les barrières, ça va être casse-couille à maïs, je pense. Ouais. Ouais, oui. Bah, après, on peut faire un détourage, mais. Et là, justement, le chantier de maïs, faudra faire venir des gens. Faudra faire venir au moins deux personnes, tu vois, genre Toto et une autre personne. Donc, pas assez grand les champs pour faire ça ici. Hmm? Pour être à 4 dans un champ, ils sont pas assez grands les champs. Ben, c'est pas ça, c'est surtout que tu mets une personne dans l'ensileuse et ouais. Tu mets au moins deux tracteurs avec deux bennes. Ouais, j'en ai trois tassés. Donc, ça fait 3, mais après, faut une personne pour tasser. Parce qu'avec l'agence qu'on a, les bennes, on pourra pas les vider dans le silo. Ça, j'ai rien de penser. Pourquoi tu l'as lavé? Tu voulais le laver? Non, il était beau en vert. Ah. Je l'aurai comme ça, belle écoute. Bah attends, tiens, je voulais mettre. C'était quoi? Ah oui! Si tu veux jamais mettre de l'essence, tu peux venir, Léo, si jamais. Je suis là. T'es à toi, toi? Je sais pas, t'es comment en essence, mais. Hop, tiens. Et lui, ça fait longtemps, on voit plus du coup le petit là. Il est là avec son petit sac, le pauvre. Je suis pas là. Le petit tracteur rouge. Oui. Oh, il est plus aimé. Bah si, mais là, c'est. De quoi? On a trop de tracteurs. Bah non, 4. Bah oui, bah on est que 3, donc c'est normal, il y en a un qui est jamais utilisé. Bah non, faut jauger, enfin faut jongler. Hey James. Oui. Prends le sprinter et viens à la remorque. Prends le sprinter. Et viens à la remorque, une mort. Ouais. Je vais me tuer, mais dégueule de là. Bah la pauvre. Non, comme ça, moi du coup, c'est un gars et tu es ça que t'es. C'est vrai que c'est en galère, on l'a jamais utilisé en vrai. Ouais, c'est bon ça. On va mettre de l'essence. Non, faut déclencher là. Baisse même pas. Non, mais je pense qu'il faut que tu le baisses. J'ai voulu le baisser, baisse pas. Mais si, vas-y. Hein. Ça va. Le bouton qui fait le bordel. Ouais. Est-ce que si je le mets là? Si Mickey il passe toujours avec le. Avec le. Ouais, ouais.
mais là, faut que je fasse ça. Hey James. Ouais. Tu as une bonne nouvelle? T'es enceinte? Non. Tu vois les boutons? Les boutons, je les vois et je peux voir le menu. Ok. Bah écoute, tant mieux. Coucou, couteau. Coucou. Voilà, toi. Ouais. Voilà, Jimmy. Il n'a plus à manger. Ah, j'en ai mis tout à l'heure, pourtant. C'est un gros sac, hein. T'es en train d'inciter Jimmy de gros sac, là. Carrément. T'es pas très, très, très gentil. J'arrive pas à penser belle. Elle est quoi ce gros? T'as vu, ça en fait pas mal des ballots là, regarde. Ouais. En paille du coup là et paille herbe, on en a vraiment pas mal pour le coup. Par contre, faut découper l'herbe un peu ici. Hein. Oui. Bah t'inquiète. On va bientôt avoir un nouveau jouet. T'as le spoil. Bah non, parce que bah, là vu qu'on fait rien, ça sera sûrement coupé ça. J'ai hâte qu'on ait des petites nouvelles. Oui. Et du coup, ouais, les pierres qu'on avait foutues là, on en a plus, ils ont disparu du coup. Qu'est-ce que c'était par terre? Et que celle d'hier qu'on a là? Ah non, c'est celle d'hier qu'on a là. Les autres qu'on avait avant, elles sont plus là. Hum. Mm. Ça c'est pareil, en vrai au prochain épisode je dirais à Mika de faire un petit, avec des bordures Mika, on fera un espèce de, de petit machin pour foutre les pierres au milieu, genre ici. Pour mettre le, un petit tas de pierres quoi. Et pourquoi là-bas? Ben parce que dans la ferme... Il y a rien. Ben, dans la ferme en vrai je le vois rien. Pour oui mais final, ici il y a un truc qui va changer ouais. Ça va dégager ici. En fait, ce garage-là, il va être décalé et du coup, celui-là, il va changer. Mais sinon, oui, l'idée, elle est pas bête. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ou de là-bas, t'es... Mais sinon, oui, l'idée, elle est pas bête, ouais, d'être, de mettre ça ici. Ça serait plus logique. Bah oui, du coup, oui, mais trop tard. Plutôt que mettre ça avec les vaches. Là, juste à côté de la maison. Hein. Oui, ou là où je suis. Oui, mets-les là-bas pour l'instant, Mika, devant toi à droite, là. Et puis, dans ce cas-là, on fera un petit. Avec des bordures, on. On fera un truc au prochain épisode, on essaiera de faire un petit truc. Parce que là, on sait pas quoi faire juste à, enfin, à gauche de la ouais. Maison. Ouais, là où je suis, ouais. Mm-hmm. Ouais, ouais, carrément. Et il y a déjà des bordures qui sont mises. En fait. Yes. Ah oui, ouais. Mm-mm. Non, carrément. Oh bah Jimmy, qu'est-ce que tu fais? Mika, il y a Jimmy qui est monté sur ta voiture. Ah le bâtard. Il a mis ses grosses gueules. Mais je lui dis pas ça, il va vouloir lui mettre un coup de fusil. C'est pas vrai, c'est le chat du voisin. Non, non, c'est vrai, je l'ai vu. Mais t'es un bâtard en vrai. Par contre, ça a rien de le nettoyer, de le ranger. Oui, non, laisse-le, laisse-le au milieu. Pourquoi? Ah, il s'est là, parce qu'il en reste. Pas avec toi. Juste quand je repars. Pourquoi tu repars avec ça, toi? Pour avoir un narco. Y'a que Mika qui peut partir. C'est vrai, parce qu'il y a Jimmy dehors. Il y a une place devant Mika. Ouh. C'est fort. Oh. En vrai, les volants des véhicules, ils sont vachement sensibles hein, par rapport au tracteur. Oula. Ah bon. Oui. Wouhou. Putain, Mika. Ah bah attends, il me pique l'enculé. C'est bien qu'il y a en face, c'est pas drôle. What the fuck? Putain, le champ. Non, y'a rien, ça, c'est pas à nous. What the fuck? Putain, bah attends, bon, bah. Quel défaut que les tonnes que j'ai fait. Et ouais, du coup, j'ai gagné la course. Hein.
je m'arrête à l'instant. Ah, hé, hey, salut toi. T'es où? T'es là. Chut. T'es arrivé. Cache-moi, t'as l'armoire, t'as l'armoire. What the fuck? Qu'est-ce que tu fous chez moi? T'es venu chercher de la moutarde? Qu'est-ce qu'il faisait là? Ah, tu lui as rendu le pot de moutarde que j'ai pris à sa famille? D'accord. Bah ouais, t'as plus que... Elle me l'a fait goûter aussi. Oh, oh! T'es dégueulasse. Bah allez, à tout de suite, bande de naze. Ouais, connard. Aïe. Non, mais t'es sérieux, Mika? De fait que le tonneau qui vient de faire. J'étais jaloux de ce que t'avais fait. De ouf. Bon, jeunes gens, j'espère que cet petit épisode vous aura plu. Bon, on devait avoir un nouvel achat sur cet épisode, mais il n'y a pas eu. Du coup, peut-être sur le prochain épisode. On avait pas mal de petites choses à faire, donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager si ça vous a plu, à me dire si le montage ça a été ou pas. J'essaie de faire quelque chose de plus sobre pour passer moins de temps dessus. Donc voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez.